Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis toute heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre flash d'information. La dernière session du conseil municipal de Bako s'est tenue ce jeudi 10 novembre 2022 à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bako. C'est en présence du sous-préfet Bruno Kosonou Kofi, des autorités policières, coutumières et des populations de Bako que le conseil dirigé par la maire Mabana Kone a dressé le bilan de l'année 2022 et présenté les perspectives pour l'année 2023. Cette proximité avec les populations, la maire Mabana Kone et son conseil l'ont décidé pour une question de transparence dans la gestion des affaires communales. Selon le conseil municipal, pour l'année 2022, le budget s'est équilibré en recettes et en dépenses à 243 711 000 francs CFA. Les dites dépenses ont été effectuées essentiellement dans l'aménagement et la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires. Un bilan positif qui permet à la maire Mabana Kone de réitérer son engagement et celui de son conseil à servir davantage les intérêts des administrés. Ce bilan augure également des perspectives encore plus porteuses d'espoir. Pour l'année 2023, le budget primitif de la municipalité, qui s'élève à plus de 237 061 000 francs CFA, va servir à engager d'autres travaux, des travaux importants au nombre desquels la construction de deux pompes hydrauliques, construction d'une maternité, l'extension du marché, l'extension du réseau hydraulique dans la ville de Bako, construction d'un centre polyvalent, création d'une bibliothèque, équipement des écoles primaires publiques en matériel informatique, etc. Le sous-préfet Bruno Kosonou Kofi a dit sa fierté à la maire Mabana Kone qui se bat pour le bien-être de ses concitoyens. Je voudrais dire infiniment merci à Madame le maire pour tous ses efforts de bien-être au profit des populations. Toutes les actions que vous menez sont plus sonnantes que les mots. Chaque fois que nous assistons à des séances municipales, nous constatons une amélioration dans le bien-être de nos parents, s'est-il réjoui. Pour clore cette dernière réunion du conseil, Madame la maire a procédé à la remise des matériels biomédicaux pour le nouveau centre de santé de Sarakorodougou. Elle a aussi remis une dotation en carburant au nouveau chef de cantonnement des eaux et forêts de Bako, le capitaine Okei Mathias. La maire et le conseil municipal de la mairie de Bako, pour ses gestes à l'endroit du centre de santé de Sarakorodougou que vous-même avait donné à Sarakorodougou comme œuvre, au nom du vice-président du COGES de l'hôpital, M. Dr Ouattara Mori, absent, et le président qui est le sous-préfet, moi, M. Bamba Temoko, associé à Touré Ibrahim, étant les membres du conseil municipal au COGES du centre de santé, nous vous remercions. Et que Dieu fasse que vous restez le plus longtemps possible à la direction de la mairie pour que nous en bénéficions plus. Nous sommes heureux. Certains participants à la réunion du conseil n'ont pas caché leur satisfaction pour le travail accompli par l'équipe municipale. Nous nous exprimons heureux. Heureux par rapport à Madame le maire Fanny Mabana Joséphine. Alors, elle nous a démontré qu'elle aime vraiment sa localité, qu'elle aime vraiment Bako. Aujourd'hui, grâce à elle, nous avons déjà le bitume qui arrive. Nous avons déjà le lycée qui vient. Alors, tout cela vraiment mérite déjà un mandat. Alors, la première dame aujourd'hui, notre première dame aujourd'hui, qui est en l'occurrence notre chère mère, notre mère Fanny Mabana aujourd'hui, qui nous a accompagné dans toutes les réalisations que nous avons aujourd'hui en main dans la commune de Bako. Bako couvre 8 villages. La commune de Bako couvre 8 villages. Les 8 villages aujourd'hui, grâce à Madame le maire et à sa municipalité, tous les villages ont été servis.
tous les villages ont été dotés de projets réalisés. Moussa Konale, Diamanata, secrétaire général de l'ENI. En même temps, Sultan notable de l'ENI. Pour l'habitado, en mode où le conseil est rôle. Conseil de Koumaïre, au franc haut de Nanzoua. Moi, mes conseillers, moi, au lobby, n'ai pas le maire. Nous sommes à Kouira Majania Kougra Koso. À Kato Kouma me voit. À Kato Baraka ou le mot. Quand il y a Bouna Djabi à Moussoumina Bara, on a Natata Mive, au Kafa sur les Adri. Il y a Bara Djouna Kermine. Koulamri Amina Olobita. Où est le demain saouta le Korso Koui. Kouninga Seigneur Roma. Allah, comme il faut qu'on m'a coupé au Kafa sur les. Ala kelima afrana o barake o le ko so le ba ke lycée bi o so ba bu femie o le muso ba mi anani maran le mai muso ba re minge mo lo mo ma lo anu ko mi ko croche anu ko kan ka lo ani gudro ngo mani muso ba mi se lo lo na muso ba mi te gudro te nu asro juna o te ke le yen. Ana folia ye konsaye be ana folie be depuis asirindira nguna mberia kominun kono aba bara minke kominun kono la ko soko d'autre soko mabana alhamdulillah ana jige ya rado na jige ya fa la ko soko matuko d'autre soko matuko alhamdulillah na fwa ana barika ala sosia la sokene ala nyentama asirindira nguna kominun kono lo aba bunya ke ane d'autres sokoba nyabo la kor sokoba nyabo a ali mogoda bakokono yoro mapi gidro mila to bakokono a nanga mbiriwo ma o ba ka na pomenu kono yoro fenge doyi anya fuwa la kabarika aba anda ba pomenu ta d'autres sokoma toko la kor sokoma toko kulan kota o arasani kwani a o ba baraka ne ambele ta bini musole koro anya fodi mabana ibi ana foli ayesini bamate moko conseiller municipal à la mairie de Bako et vice-président de la commission économique du conseil municipal. Aujourd'hui 10 novembre 2022, nous étions à la 4e session du conseil municipal de la mairie de Bako, c'est-à-dire le dernier conseil de l'année 2022. Donc je tenais à dire effectivement que pour cette année de 2022, il y a eu des réalisations qui ont été vraiment faites par le conseil municipal, conduite par Madame le maire, Madame Fanny Mabana. Il y a eu le centre de santé de Bouissou, le centre de santé de Tiguela, le centre de santé de Srakorodougou. Donc je viens de recevoir tout de suite le matériel que la mairie a offert au centre de santé de Srakorodougou. C'est des œuvres qu'il ne faut pas ignorer. Donc vraiment, moi je suis heureux. Je suis confiant que pour l'année 2022, le bilan est vraiment positif vu les réalisations qui ont été faites. En plus des centres de santé, il y a Mignadou, un petit village qui a bénéficié de 3 classes. Il y a Lengenso qui va bénéficier d'une école maternelle. La maternelle de Bako a vraiment fait la clôture et la maternelle aussi à Tiguela. L'œuvre de la mairie va être bientôt aussi clôturée. Donc moi je dirais en gros que vraiment le bilan de cette année a été bilan positif parce qu'il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites. La maire Mabana Koné a levé un coin de voile sur quelques réalisations effectuées par le conseil municipal. Aujourd'hui vraiment, non seulement j'ai été bien accueilli par tout le monde, par mes conseillers et tout, et le conseil s'est déroulé vraiment dans de très très bonnes conditions. Depuis 2013 donc, nous sommes venus à la tête de cette mairie-là.
Le premier problème que j'ai eu à résoudre, c'est de donner un cadre de vie, un cadre de travail respecté et respectable aux employés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bon, chacun a son bureau, il y a des toilettes propres, il y a une salle de mariage qui est très prisée aujourd'hui, que tout le monde demande pour faire des réunions, une belle salle de mariage. Et vraiment, tous les chefs ont leur bureau. Depuis 2013, nous avons fait un foyer à Bouissot. Nous avons fait des salles de classe à Srakourodougou, à Lengesso, à Tchibela. Et à Bako, non, on a quand même entretenu les salles ici à Bako. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de satisfaire les besoins de nos populations. Actuellement, le dernier chantier qui est en train de finir, c'est l'école primaire de Midiadougou, 3 classes. Le village qui est sur la route de Guéné, 3 classes, eux aussi sont satisfaits. Bon, on s'est battu pour que le courant passe là-bas aussi, l'électricité. On s'est battu aussi pour que on voulait faire la route pour aller jusqu'à Tchibela, mais malheureusement, cette route, c'est une route internationale que nous ne pouvons pas, donc qui a été déjà présentée à plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas réussi, donc on attend que l'État même s'occupe de ça. Nous nous sommes occupés des femmes en leur faisant des projets, en montant des projets. Et puis en plus de ça, actuellement, là, nous sommes en phase de développement que tout le monde recherche, c'est-à-dire le bitumage de notre ville. Et ce projet, c'est depuis 2011 que ce projet était en cours, 2012. Donc c'est le président, vraiment, dans sa magnanimité, qui nous a donné, qui nous a accordé 5 km de goudron à Bako. Et je profite vraiment de votre micro pour le remercier infiniment. Pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et surtout pour Bako. Bako qui nous plaît. Toute la population de Bako est heureuse et vraiment par ma voix, lui dit merci. Merci pour tout ce qu'il fait et qu'il continuera encore de faire pour la Côte d'Ivoire et pour Bako. Donc c'est le plus gros chantier que nous avons actuellement. Et je viens tout de suite là de visiter le collège que nous avions fait pour aider les jeunes de Bako qui n'allaient plus à l'école à partir du coup moins 2, parce que pas de tuteur ailleurs, pas de moyens pour aller en 6e et tout. Donc ce collège-là, nous l'avons fait et aujourd'hui, il est en passe de passer sous forme de lycée. Je viens de visiter donc le chantier. Vraiment, c'est une école moderne qui est en train de sortir à Bako. Une école moderne. Bon, et puis je dois signaler aussi que nous avons fait des centres de santé un peu partout. À Srakourodougou, il y a un centre de santé et le logement de l'infirmier. À Bouissot, il y a un centre de santé et le logement de l'infirmier. À Tchibela, nous avons fait un centre de santé là-bas qui n'est pas terminé, mais le logement est terminé. Mais nous sommes dessus derrière l'entrepreneur pour qu'il vienne achever ça. Pourquoi on affecte un infirmier pour ne pas que le bâtiment soit détérioré. Nous avons aussi construit un abattoir moderne pour permettre donc aux bouchers de nous servir de la viande saine. Le projet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'abord un centre culturel pour les jeunes de Bako. Je pense que Bako n'a plus besoin de foyer, mais Bako a besoin d'un centre culturel avec toutes les commodités qu'il faut. Donc on va essayer de prévoir ça au budget. Bon, il y a un lycée, il y a un marché actuellement que nous sommes en train de terminer aussi. Il y a une auberge aussi qu'on est en train de réhabiliter. En tout cas, il y a des structures qui peuvent accueillir du monde ici. Donc nous souhaitons vraiment que tout cela aboutisse à la préfecture, c'est-à-dire qu'on soit érigé en préfecture. Et le développement amène la préfecture que tout le monde attend. Donc je leur demande vraiment de continuer de prier et de nous faire confiance et que la préfecture viendra d'elle-même. Au vu de tout ce que nous avons fait. Autre
Outre la réalisation de ces infrastructures, le conseil municipal a réalisé plusieurs autres projets, au nombre desquels des logements de maîtres à Moya 1, l'école maternelle de Bako, 4 centres de pré-collecte d'ordures ménagères, le parc à bétail, l'achèvement de l'hôtel de ville, etc. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous abonner à la chaîne Dengele TV.